Oui, les femmes aiment faire l'amour aussi, autant que les hommes, non? Non, parce que quand une femme dit non, nous les romantiques, on a toujours tendance à dire non, elle veut pas, elle aime pas ça. Et non, elle aime pas ça avec toi. Non, mais les femmes aiment les romantiques. Mais au lit, elles préfèrent les machos. Et oui, parce que les romantiques, après l'amour, on déprime, on n'est pas bien, on culpabilise. Alors que les machos, eux, qu'est-ce qu'ils font après l'amour? Ils fument. Ils recommencent. Attention, j'ai pas dit un goujard, hein. J'en connaissais un, moi. Il avait arrêté de faire l'amour parce qu'il avait arrêté de fumer, justement. Il savait pas quoi faire après, il s'ennuyait. Non, mais oui, les femmes réclament l'orgasme, elles connaissent leurs droits. Hein. Que la femme qui n'aime pas une bonne baise avec un vrai macho me jette la première pierre. Non, pas goujard. Et la séduction, c'est quoi? La séduction, c'est la patience, c'est tout. Ah, le séducteur, s'il peut se la faire tout de suite, il se la fait tout de suite. Hein. Ah, au départ, il est pareil que le goujard. Il a la même idée, se la faire. À part qu'il y en a un qui insiste et l'autre qui laisse tomber. Parce que l'homme aime faire l'amour aussi, trop. Mais l'infidélité, ça gêne qui? L'infidélité, ça commence pas quand tu couches avec une autre femme. L'infidélité, ça commence quand ta femme l'apprend. Et n'est cocu que si tout le monde le sait. Non mais en amour, est-ce qu'il vaut mieux être fidèle ou bon menteur? Si une petite fille vient te voir et qu'elle te dit choisis un vœu, être fidèle mais vivre pépère, ou être infidèle, jouisseur, et que ta femme ne le sache jamais. Franchement, qu'est-ce que tu choisis? Si tu choisis fidèle, t'as raison. T'es déjà un très grand menteur. Hein. C'est vrai. Enfin, une femme, c'est... Bon, ça se fait qu'il y a des mecs. Voilà. C'est rien. Mais moi, les femmes, j'ai compris. Hein. Il y a trois étapes. En un, tu les fais rire. En deux, tu les fais jouir. En trois, tu les fais chier. Et faut surtout pas sauter les deux premières étapes. C'est comme ça.